On a eu droit à Regarde le fond vert, voilà. On a eu droit là, excusez-moi, hein. Ça y est, on est à nouveau en live, oui. On a eu droit à un magnifique plantage de la PlayStation Pro. Alors c'est bien la peine de débourser tous ces sous. Hein? C'était bien la peine que je débourse tous mes sous Vous osez pour détruire mon avoir un travail? plantage pareil. Vous pensez que je vais me plier à votre volonté? Vous êtes comme eux, qui croyaient pouvoir me remodeler en quelque chose que je ne suis pas. Ce qu'ils ont créé ici, c'est merveilleux. Et ils le cachent, parce qu'ils n'ont aucune imagination. Parce que ce ne sont pas Bon, des artistes. je vais poster les deux Ils veulent vidéos. me contrôler, me manipuler. Ce sera la partie Vous 8. voulez m'arrêter, mais vous avez tous échoué. Parce qu'avec la puissance du noyau, je peux créer mon art pour toujours. Oh non, je sais pas. Bon, j'effacerai la partie. En fait, il y a eu un plantage de la PlayStation 4 Pro, donc J'ai attendu ça toute on est ma obligé vie. de se retaper son speech. Je vais pas Pour poster deux toute fois la ma même vie. vidéo. Allez, c'est parti, Je en vous promets espérant que ça ne replante de pas. connaître enfin qui vénérera On le n'est jamais à noyau. l'abri. On n'est pas à l'abri. J'ai attendu ça toute ma vie. J'ai attendu ça Alors, toutes toute mes ma vie. confuses, pour ceux qui se le sont déjà tapés. Oui, mais tu nous casses les couilles. Oui, Stefano. Oui, Stefano, c'est très bien. Stefano. Sì, Stefano. La segna di stata d'Albanico va por il puente de Fresco Rio. Sebastian va te botter le cou. Il va te botter le cou. Bon, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, avant le plantage. Avant le plantage, on avait été malin. On s'était soigné. Voilà. On s'était fait une petite piqueuse. Ensuite, on avait remis le pistolet. Voilà. Donc, on va se retaper. C'est la cinématique qui était en haut de l'escalier. Hein. Oui, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais effacer Ça a duré 7 minutes. Mais... Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un gros plantage. Ça n'arrive jamais, hein, normalement. Donc, on redécouvre. On fait comme si on ne savait pas. Oh, tiens, il sort son pistolet. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'il a fait à ces pauvres gens? J'espère qu'il n'y en a pas un qui va murmurer quelque chose que je vais pas comprendre. Articulez, monsieur. Hein? Entrez! Entrez! Ah, c'est Stefano. Cette traque a été très amusante. Mais même les plus grands spectacles doivent avoir une fin. La fille, où est-elle? Lily. Je vous félicite d'être arrivé aussi loin. Donnez-moi Lily. Si la persévérance était une forme d'art, vous en seriez un maître. Peut-être pas un Michel-Ange, mais au moins un Van Gogh. Ça suffit les tirades artistiques à la con! Où est-ce qu'elle est? Merci. Le noyau est sauf. Avec moi. Je l'ai emmené sur ses ordres. Mais quand j'ai réalisé l'étendue de ses immenses pouvoirs... Ah, comment aurais-je Tu pu ferais le pas de l'art nier? écarlate? Ce que je fais est bien plus important qu'un vulgaire profit personnel. Tu ferais pas de l'art écarlate, en fait, Il toi? n'aurait jamais pu comprendre ça. Il? Qui ça, il? Mobus. Ça n'a plus d'importance. Il ne sera bientôt plus là. Alors que mon travail, lui, perdurera. Mais qu'est-ce que c'est de l'art écarlate? Picasso a eu sa période bleue. Pour ma part,
Je suis entré dans ma période écarlate. Merde. Putain, si je m'attendais ça. Admirez ma dernière création. Non. Magnifique. C'est ce que je disais avant que ça plante. L'idée est bonne, là. Le personnage est trop superficiel, mais là, l'idée est bonne. Moi, ça me parle, évidemment, tout au ralenti, comme ça. Dans un théâtre, il y a un côté... il y a une fulgurance. On peut pas le cacher. Allez, on te donne un bon point. Magistral. Un bouquet de chair et de sang. Espèce de malade. Bon, j'espère que ça va pas planter, là. Comment pourrais-je jamais faire mieux ? Je touche à rien. Je trouverai un moyen. Sa peur est une source intarissable d'inspiration. Rien de tel que la corruption de l'innocence pour attiser le feu de ma créativité. Allez, allez, allez. Vous ne pouvez pas l'avoir. C'est bon. Vous ne ferez rien de sa puissance. Vous êtes un Néandertal, vous ne comprenez rien. Elle serait inutile entre vos mains. C'est pour ça que j'ai une croix autour du cou. Les gens m'envoient des milliers de mails là, sur Twitter. M'envoient plein de titres sur Twitter pour savoir pourquoi j'ai une croix. Bah, c'est parce que des fois les jeux plantent. Et depuis, bah, j'ai remarqué que non. Je vais t'encadrer, connard. Allez hop. C'est pas mal. Ça me fait penser comme à Batman. Vous savez, dans le cauchemar avec Scarecrow, l'épouvantail. Fait carrément penser à ça d'ailleurs. Alors, il va falloir faire attention, j'imagine. Ok. Oui, c'est complètement Scarecrow, quoi. Ok. Il est où son œil? Ah bah on peut pas le louper. Ok. C'est quand qu'on peut y aller? Ça peut m'être utile. Allez. S'il te plaît. Merci. J'y vais là? Je me rends pas compte en fait de la vitesse, il faut que je m'en rende compte. Bon, on aurait eu largement le temps. Après, on fait quoi quand on a. On va y aller tout doux. Hein. Oup là. Allez, vas-y, passe. J'ai envie de le recommencer, hein. C'est une séquence que j'ai pas envie de refaire mille fois. On va y aller doucement. Si je sens que je peux speedrunner un petit peu, je vais tenter. Mais sinon, on va pas faire les foufous. Ah ben là, voilà, on a fait le foufou. Et un petit. Ça va pas encore me faire du bien pour mon dos, ça. Hein. Petit côté Lovecraft, hein, petit tentacule. Et là, ce plantage m'a malheureusement fait perdre. Oui, déjà le speech de Stefano m'a fait perdre 10 000 viewers. Et ensuite le plantage de la PlayStation 4 m'a fait perdre 5 000 là, je vois, hein, sur les statistiques de Twitch. Ok, je suis là et après. Ok. Ok. D'accord. C'est complètement une séquence à la Batman. Ils ont repris des trucs comme ça, qu'ils ont trouvé ça bien chez les autres. Et puis ils se sont dit, tiens, on va le faire pour nous aussi.
Pourquoi se faire chier? Pourquoi se faire chier à faire quelque chose qui n'a pas déjà été fait? Je suis méchant, mais c'est vrai. Hein. C'est quand même une séquence qu'on a dans Batman. Mais dans Batman, à l'époque, c'était très très impressionnant, parce qu'il y avait l'épouvantail qui était comme ça, qui nous regardait avec ses yeux, c'était la première fois qu'on voyait ça. Bon, quand, bon là, c'est du réchauffé, quoi. Vous allez dire que je suis méchant avec le jeu encore. Non, non, c'est un jeu sympathique, mais qui n'est pas du tout à la hauteur du premier. En termes de narration, en termes de personnages, en termes d'idées, de fulgurances, de plein de choses, malheureusement. J'aurais été le premier à adorer l'aimer, hein, vraiment. Encore une fois, je l'ai acheté Day One. Hein. Donc là, on va le faire. Combien j'ai de la petite poudre. Qu'est-ce que c'est que ce bug d'affichage? Il y en a plein que je vois que je dis rien parce que je suis gentil. Mais bon, on a 12 000, allez. On se fait un petit coup de miroir. Désolé, hein, c'est un live qui démarre avec... Bon, on a quand même eu une séquence d'escape. Soyez pas non plus négatif. Là, j'en vois dans le chat là qui sont en train de se faire bannir parce qu'ils sont trop négatifs. Non, on a quand même... On a eu une belle explosion de tête quand même. Bienvenue, inspecteur. En slow motion. Salut, Tatania. J'ai pas de clé, hein. Si, j'en ai une. Eh bah tiens, on va ouvrir le premier coffre. Eh bah c'est parfait. Putain, 3000. Est-ce qu'on peut... Non, Tatania. Est-ce qu'on peut prendre maintenant les balles, Tatania? Et puis en prendre une. J'ai pu en prendre deux. Donc là, on se plante pas, on fait retour comme ça, mais on ne sort pas de la chaise. Voilà. Parfait. Donc on a 15 000, hein, ce qui est pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup combat, hein, quand même. Hein. Vous aurez remarqué. Au niveau santé, on est pas mal. Ça stabilise encore plus efficacement votre réticule lorsque vous tirez. Et après, on aura droit à quoi? Au ralentissement synaptique. Appuyez sur triangle en visant pour vous concentrer et ralentir le temps. Appuyez de nouveau sur triangle pour mettre fin à l'effet. Non, ça m'a l'air pas mal du tout, ça. Hein. On peut même se le payer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les attaques au corps à corps, notamment au couteau et à l'âge, affichent plus de dégâts. Oui. Et sinon là, encore moins de... non, ce qu'il nous faudrait... attends, au niveau furtivité... Avancer plus vite en position accroupie. Ah, oh, ça m'intéresse. Parce que c'est quand même très chiant. Ok, et là, profil bas, vos pas sont encore plus silencieux et les ennemis se mettent à votre recherche encore moins rapidement. On le prend. Et là, on peut se le payer. Hein. Vos pas sont beaucoup plus silencieux et les ennemis se mettent en recherche encore moins rapidement. Ça me plaît, hein. Faut faire un choix. Il y a un moment donné, faut faire un choix. J'en ai 4 des rouges. Mais moi, j'aime bien aller plus vite allez, on prend ça. Allez, c'est très bien. Parce que souvent, on est accroupi, ça va plus vite, c'est très bien. Excellent choix. Je ne regrette rien. Allez, ce que j'aimerais faire en amélioration, c'est le temps de rechargement, hein, qu'on ne fait jamais et qui est quand même très très intéressant. On va le faire aussi pour le pompe. J'ai 500. Augmente la vitesse de marche tout en visant. C'est pas mal ça. Et là, permet de diminuer le temps de rechargement. Mais il nous faut le truc de niveau 3. En puissance de feu, ça peut être intéressant. Il faut 240. Permet d'infliger plus de dégâts. Oui, ou alors
Le pompe, hein. Le pompe, bien sûr. Voilà, plus de dégâts. Putain, 480, on peut pas. Et là, critique. Augmente la probabilité d'infliger des dégâts critiques, pardon, lorsque vous touchez le point faible d'un ennemi. Je prends. Après, c'est du 300, on peut pas. C'est pas mal, là, on est bien. Temps de rechargement. Bon, on a dit qu'on pouvait pas encore le faire. Ah, si. Tout en visant, allez. Et après, il me reste 95. Je pense qu'on peut rien faire. Peut-être au niveau du flingue en temps de rechargement, mais c'est pas gagné. Si. Permet de diminuer le temps de rechargement. On est bien, on est bien. On est bien. Et là, augmente la vitesse de marche tout en visant. Ça sera 120. Non, non, c'est pas mal. On va se fabriquer, on n'oublie pas. Des balles de précision, on va en faire un maximum. Voilà. Carreau fumigène. Oh, de toute façon, la poudre qui pue, elle sert qu'à ça. On peut en faire. Voilà, on en a tellement. Allez, c'est bon. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi pour ce petit aparté. On retourne tout de suite botter le cul à Stefano. Enfin, pardon, lui faire entendre raison. Ok. On recharge ça. Dans la vidéo précédente, j'avais pas fait attention. Mais c'était rigolo. Non, en fait, ça c'est pas terrible. Hein. Utiliser le fumigène, ça après on peut le niquer aux pompes. Dans la vidéo précédente, il y a un moment donné, il y a eu un gros bug, c'était assez rigolo. Bon, ça c'est plein. J'avais mon fusil dans les mains, puis en fait, je l'avais pas. Stefano, rends-nous Lily. Peut pas, peut pas, peut pas, peut pas. Rends-nous Lily, Stefano. C'est fini la carrière d'artiste. Venez, je vous attends. Oui, on Ma sait que prochaine œuvre sera incroyable. L'absorption totale de sa puissance. La soumission de sa volonté. Ce sera de l'art dans tous les sens du terme. Mais peut-on avoir de l'art sans public? J'ai besoin de vous pour que mon œuvre soit complète. C'est pas comme ça que ça va finir. Voilà, c'est ça que je reproche au jeu, c'est que regardez, on est encore dans une maison avec des couloirs, enfin, on a ça depuis le début du jeu, quoi, enfin, puis cet étage ressemble à celui du dessus, et de celui du dessus, on est vite paumé, alors je comprends bien, on est dans un rêve, tout ça, mais regardez, là encore, c'est encore une porte, c'est la même que celle d'au-dessus, enfin, il y a vraiment peu de travail qui a été réalisé, hein. Alors, est-ce que c'est le prix à payer pour avoir un open world? Ben, j'ai l'impression que oui, mais non, en même temps... Je sais pas. Je suis quand même déçu, quoi. Je suis déçu. Par le manque de... Le manque d'idées. Pourtant, là, j'y joue. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Pourtant, encore une fois, j'y joue là vraiment dans les meilleures conditions. Hein. J'ai vraiment un des très très bon écran. Je suis sur PS Pro. J'ai l'écran à 15 cm. C'est pour ça que je regarde la diagonale comme ça. J'ai le casque vissé sur la tête. Je suis dans le noir. Ça ne peut pas être mieux, quoi. Il y a, bah, y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Plus de course poursuite. Plus de petits jeux. Commencez sérieusement à m'ennuyer. Votre mort sera de l'art. C'est le moment d'y apposer ma signature. Votre chance ne durera pas éternellement. Vous ne pouvez pas m'échapper. Sébastien.
Ah, ça fait mal, ça. Vous allez le regretter. Ne bougez pas pour la photo. Ne bougez pas. Vous allez avoir mal. Merde. Là, j'ai merdé, là. Vous ne la sauverez pas. Ni elle. C'est mort, il est pas trop dur. Merde. On va se mettre un petit coup de soin. Vous ne pouvez pas m'échapper. J'arrive, Sébastien. Bah dis donc. C'est tout, Stefano. Une deuxième phase. Quand je l'aurai terminé, il ne restera rien de vous. Et voilà. Je vais m'occuper de votre cas. Inutile de courir. Détruire des trucs. Ah oui, d'accord, c'est des pièges. Heureusement que j'ai pris le truc que ça me... Mais merde, va te faire foutre là, Stefano. Bon, on va pas mourir à contre lui quand même. Un peu à la communiste là. Putain. Jusqu'où pourrez-vous résister? Putain. Il y a forcément un truc à faire que je ne fais pas. Il ne restera rien. Putain. Inutile de courir. Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement. Saignez pour moi. Donnez-moi votre sang. Ça fait toujours plaisir. J'espère qu'ils vont pas nous retaper la phase 1. Parce que sinon je le fais au flingue. Hein. Je préfère garder mes munitions. Quand je l'aurai terminé, il ne restera rien de vous. Oh mais oh, ouais, si ça commence comme ça, hein, copain. Non mais... J'ai rien fait. Attends, déjà, je vais aller dans les options pour que la caméra aille plus vite. Commande. Ben, la sensibilité est déjà au maximum. Bon, ok. Juste. Où pourrez-vous résister? Inutile de courir. Position magnifique. Sale Béotien. Ah putain.
Bon, et Stefano, là, c'est pas cool. On était copains, et puis bah là, je vois bien que tu... Alors, peut-être qu'il faut qu'on utilise... Qu'est-ce qu'on a comme carreau? Non, ça va servir à que dalle, ça, je le sens bien. Nous ne pourrons pas vous cacher éternellement. Saignez pour moi. Mais je tire dessus, hein. Putain, mais qu'est-ce qu'il peut faire à chaque fois qu'il me snipe là? Mais merde! Il y a un truc que j'ai pas compris. Bon, j'ai plus de. Il ne restera rien. Putain! Putain! Oh, ça m'agace! Il pop d'un coup là devant nous. Enfin, vous voyez bien. Qu'est-ce qu'il faut voir? Faut le. Il n'y a pas de bouton d'esquive. Il n'y a pas de. Et puis, j'ai pas souvenir d'avoir eu problème avec lui. Il ne restera rien de vous. Oh putain, mais... Jusqu'où pourrez-vous résister? Inutile de courir. Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement. Merde, je vais tirer dessus, qu'est-ce que tu veux que je te fasse là? Ça a été au sien. Mais merde! Attendez, il y a un truc que je fais pas bien. Il faut se cacher, faut. Bon, tu vas répéter ça pour moi. Mais merde. Et voilà, j'étais sûr que j'allais le louper. Putain. Putain, mais ta merde. Jusqu'où pourrait vous résister? Ça a été au sien. Allez.
Pas simple, hein. Enfin. Ah, c'est pas... J'ai eu la deux à la seconde fois, quoi. C'était pas infaisable. J'avais encore tant à créer. Oh, ton blabla, là. Pas sûr qu'on a envie de l'entendre. Vous avez détruit mon testament au monde. Regardez-moi. Vous avez fait de moi un chef-d'œuvre. Il doit perdurer. Ouais, dans une benne à ordures. Mon appareil. Où est-il ? On va te le mettre dans le cul, tu vas voir. Fou, je suis vulgaire ce soir, hein. Ça m'a agacé là ce combat. Excusez-moi. Il aime pas la lumière rouge, hein, mon fond vert. Voilà, là c'est mieux. Bon, il est mort, hein, j'espère. Encore le temps. Pour une photo. Dernière photo. À l'américaine. À la Bruce Willis. Lily. Lily. N'aie pas peur, ma chérie. N'aie pas peur. C'est moi. C'est papa. N'aie pas peur. Il est mort. Mon papa est mort. Mais il est pas mort. Viens là. Tu vas voir que c'est bien papa. Tu vas me reconnaître vite. Tu vas vite reconnaître papa. Chérie. Quand il sera tout nu. Je sais que c'est ce qu'ils t'ont dit, mais c'est faux. Pardon. Lily, s'il te plaît. Il baisse son falzard. Regarde, c'est papa, tu reconnais papa quand même. Sors de là, Lily. Tu n'as pas à te cacher. Pardon. C'est pas moi qui ai fait cette blague. Je l'ai lu sur internet. C'est lui le vrai méchant ? Ou c'est elle ? Viens voir maman, Lily. Oula. Je te protégerai. Mais c'est ma femme. Mira. Va-t'en. Tu ne l'auras pas, tu m'entends ? C'est ma femme que j'ai pas écoutée. Souvenez-vous, on l'a pas écoutée. Et du coup, voilà. C'est la punition. Écoutez toujours votre femme. Elle est malheureusement encore kidnappée. Ça aurait été trop simple. Alors là, il va se poser un dilemme pour Sébastien. C'est que c'est maman. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On préfère sauver maman et tu veux sauver Lily et tuer maman, ou tuer maman et tuer Lily, ou tuer Lily et maman. Pff, tout va devenir très compliqué. Ça, à la limite, ça serait mieux qu'on se remette à boire. Mira. Si vous voulez mon avis. Petite bouteille vite fait, on se barre du système. Je serai là pour vous, et quelqu'un d'autre sera à l'intérieur pour vous. Kidman. Elle était au courant pour Mira. Évidemment. On nous a feinté. Mais je vous dirai si vous me laissez entrer. Merde. Eh oh. Il y a beaucoup de un jeu très vulgaire quand même, j'ai remarqué. Ça fait chier quoi. C'est toutes ces. Enfin, il n'arrête pas de pester, de. De dire merde, tout ça. Chapitre 9. Un autre mal. C'est vrai, ça commence à me casser les couilles, à faire chier là. C'est vraiment la chiasse, ce jeu est quand même super vulgaire. Moi, je suis outré quoi. Et du coup, voilà. Les petites choses qu'on trouve se retrouvent là. Donc, il y a le Master Chief. Et puis, Fallout. Et le dessin de Lily. Bon. Elle était jeune hein, quand elle a fait ça. C'est papa.
Voilà, on voit bien que c'est papa. Et le soleil, il rigole. C'est bien. Et là, c'est le diplôme. Bah, c'est mon diplôme. Hein. C'est mon diplôme universitaire. Pour ce qu'il fout là. Voilà. C'est mon palais mental. Voilà, c'est mon palais mental, donc il y a mon diplôme. Il y a mon brevet des collèges. Alors, bon, alors lui, il est mort, hein, bien sûr. Comme je vous l'avais dit, voilà, petit à petit, les choses se barrent. Au moins, il est mort au combat. Sans lui, cet émetteur de champs stables serait toujours inactif. Voilà, on lui rend hommage. William Baker. Qu'est-ce qu'il dit, là, de la psy, là, Yukiko Hoffman. Bon, on n'y croit pas une seconde qu'elle s'appelle Hoffman, vu son morphotype. Ça reste entre nous, c'est notre secret. Non, Yukiko Hoffman, 32 ans, femme, 1m63. Pff, la honte. 50 kilos. Bon, je dis rien, je suis 1m66. Personne n'est parfait, mon sexe fait 2 mètres, ça va. Rôle principal, profilage psychologique. Compétence secondaire, médecin de l'équipe surveillance. Ok. Et Julian, il va bien dire quelque chose de gentil. On a fait une quête secondaire exprès pour Julian. Que dalle. Eh ben, ça fait plaisir. Bon. Un petit mot, là. Un grand X rouge. Ça, c'est de l'art. Ouais, bon. Pas très inspiré, hein, décidément. Pourquoi cette photo est-elle si importante pour vous? Ah, c'est tiré d'un article de magazine. Une interview, quoi. Ah, alors qu'est-ce qu'il raconte? C'était ma dernière photo en tant que photographe de guerre. Elle m'a presque coûté la vie. Mais elle fut également la source de ma renaissance artistique. Elle m'a ouvert les yeux sur le fait que la beauté est partout, même dans l'horreur la plus indicible. Je ne reprendrai sans doute jamais une photo ayant autant de sens. Vous avez dit qu'elle vous avait presque coûté la vie. Pourriez-vous nous en dire plus? Eh bien, vous avez remarqué mon œil, évidemment. Rire. Il reste un morceau de shrapnel que les médecins n'ont pas réussi à extraire. Ils ont dit que c'est un miracle qu'il ne soit pas logé dans mon cerveau. Ça fait encore mal, parfois, mais je m'en moque. Ça m'aide à me concentrer sur ce qui est vraiment important, la beauté de la vie et la souffrance, les deux bases de mon art. Oui, bon, bah, dis donc, à partir de ce moment-là... Fallait arrêter de le produire. Quoi, on va lire tout ça, vraiment? Coupure de presse de Crimson Post. Oui, mais est-ce de l'art? Par Susan Fee, Crimson City. Choqué, indigné, scandalisé. C'est ainsi que s'est retrouvé le public lors de l'exposition de l'artiste Stefano Valentini à la galerie de Crimson City. Les réactions étaient tout aussi vives chez ce critique, mais pour des raisons entièrement différentes. Là où, c'est évident, Valentini se voit comme un provocateur, je ne vois qu'un artisan au talent discutable essayant de créer la controverse avec sa vision simpliste. Réduire l'image de la femme à un assemblage de parties sexualisées aurait pu fonctionner s'il avait un véritable dessein. Par exemple, dénoncer la femme objet dans notre société, mais Valentini semble d'abord versé dans le grotesque, dans le seul but de nous titiller les sens. Bon, il n'a pas dû faire long feu, lui, ce critique. Non, Stefano Valentini. En fait, c'est tous les articles que je n'ai pas été vu lire pendant la partie. Il est né à lieu de résidence, Grimson City, lieu de naissance, Florence, Italie. C'est un Italien. C'est pour ça qu'il avait autant de classe. Évidemment. Les chiens ne font pas des chats. Alors, Union a besoin de personnel artistique afin de simuler un scénario de monde réel. Bien que le candidat numéro 10045 ait montré des tendances égocentriques, genre ils l'ont pas détecté lui hein, en ayant lu les articles. Elles peuvent être liées à ses penchants artistiques. Alors, bien que le candidat numéro 10045 ait montré des tendances égocentriques, elles peuvent être liées à ses penchants artistiques plutôt qu'à des problèmes psychologiques. Ah oui, bravo, bravo Hoffman, hein, stocker recruté. D'après nos informations, aucun membre de sa famille ne s'inquiétera de sa disparition. Tu m'étonnes. Le bureau de recrutement recommande l'insertion du candidat 10045 dans le STEM. Ouais, excellente décision. Et là, ces empreintes, ah oui, on vient de le lire. Bon, allez, on s'attarde pas plus. Il y a quand même des nouvelles photos de d'Union. Non. On a gagné combien, là, en gel? Que dalle. Bon, très bien. Ok, donc ça a un petit peu évolué, là, le bureau. Enfin, du moins, il est d'une autre couleur. On a des diapos à regarder, hein.
Mais on ne peut pas le faire parce que voilà, c'est scripté évidemment. C'est très agaçant. Vous voyez comme mon fond vert, il aime pas le rouge. Regardez. Allez hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est pour sauvegarder. Où est le miroir? Ah pardon. Allez, on examine. C'est la poupée de Lily. Putain, c'est pour de vrai là? C'est moi, j'avais posé la télécommande. Non, c'est bon. Enfin, la manette. Où est-ce que je suis? Bah, une espèce de catacombe ou. Espèce de catacombe, j'ai bien l'impression, Stefano. Ouais, pourquoi ils vont nous faire le. Le symbole me dit quelque chose. J'ai dû le voir dans le vrai monde. Pourquoi ils vont nous faire le coup de la secte, du truc qu'on a déjà vu mille fois? Non, please. C'est fou. Ah, petit à petit, on se rapproche du chapitre 11, le fameux chapitre où j'ai abandonné le jeu hein, il y a 4 ans, et je commence à chaque fois à comprendre pourquoi. Bon, c'est déjà une ambiance qui me plaît plus. Hein. On se rapproche un peu plus déjà du premier. Bon, là, je suis plein. Bon, le pompe, on a tout utilisé, on a tout gaspillé sur Stefano. Coriace le Stefano quand même, hein. Sniper, fusil à pompe, rien ne lui faisait peur. Bon, on se casse. Je regarde quand même un petit peu en hauteur pour voir. Bon, allez, je vais dépasser ce fameux chapitre 11 et puis peut-être que j'ai loupé l'essentiel. Bienvenue, enquêteur. Vous venez chercher des réponses. Je suis là pour vous aider. Ah. Ok. Là, il y a une porte. Qui est là? Bon, allez, on va sur la porte. Faut pas qu'on oublie qu'on a une hache. Il y a du sang, hein. On va prendre le flingue, hein. Bon, d'accord. Et quoi donc? Ça voulait dire quoi, ça? Qu'on peut les faire tomber. Hein. Ok. J'ouvre vite fait la porte, là, pour me rendre compte. J'espère que ça va pas m'embrigader dans une cinématique sans fin. Ok. On va... J'ai un plan? Non, évidemment que non. Donc, il y a un culte, hein, rarement, qui... Oh, merde. Quoi? Bah, quoi? C'est pas plus dégueu que ce qu'on a vu avant? Bon, un petit peu si, quand même. On dirait qu'il a été brûlé vif. Bah, pas que, hein. Un petit peu de cocaïne, ça c'est personnel, hein. La cocaïne, ça nous permet de... Quoi, elle va descendre de par là? Je m'attendais à ce qu'un corps dégringole. Ok, on peut passer par là. Mais bon, il y a une salle qu'on n'a pas faite. Attends, je vais tout faire le petit... Ah non, on peut pas passer, ok. La caméra est très très proche, hein, ce qui fait qu'on se perd. Mais je pense que bah, c'est volontaire hein, de réduire le champ de vision pour rendre le jeu un petit peu plus effrayant. Qu'il faille passer par ici. En fait, j'ai pas envie de louper une... J'ai pas envie de louper des trucs secondaires, c'est ça? Ah, on marche... Oui, on marche quand même beaucoup plus vite, là, maintenant qu'on a... Bon, ça, c'est une très bonne nouvelle. Quoi, c'est pas... Ah, c'est pas des balles de... Elles ressemblent vraiment à des balles de... De pompe. Non, c'est bon, on est sur le bon chemin, donc. En fait, je fais exprès de quitter la route principale pour pouvoir bah, ne rien louper en bonus, en clé, enfin, normal quoi.
au niveau soin, on n'a plus rien. Hein. On va essayer de... Ça donne un petit handicap, c'est pas... C'est pas négligeable, enfin c'est pas chiant. Normalement il y a un truc là, voilà. Toujours dans les jeux vidéo. Toujours. Un petit côté Outlast. Que j'ai beaucoup pas aimé faire sur... Merde. Putain, et oh. Ah, je suis con, j'aurais dû la garder. J'aurais pu le tuer avec une balle. J'ai cru que j'étais avec le bon couteau. Bon, c'est pas grave. Pas bien anticipé là. Ah, c'est fermé. Oui, donc il faut absolument qu'on passe par l'autre chemin. Je pensais que c'était un. Pas un raccourci, mais un truc qui nous mettait un petit peu plus à l'avantage. En avantage par rapport aux ennemis. Oui, effectivement, on va beaucoup plus vite là, une fois qu'on est assis. Hein. Bien fait de le... De l'upgrader. Bon, là, ça sent la sauvegarde. Là c'est quoi, c'est du non c'est pas du piège. Bon, c'est déjà un peu plus inspiré là, hein, ça fait déjà un petit peu plus En fait c'est tout le côté monde ouvert qui m'emmerde, en fait je suis en train de réaliser. Parce que moi j'aime bien le côté couloir, bah Evil Within quoi, un peu même comment dirais-je, Silent Hill, non pas Silent Hill, Resident Evil 4. Ok. Donc. Ok. Je zute un peu partout. Ok, toi t'es là. On va essayer de faire. On va essayer d'un petit peu d'inspecter tout ça. Moi je suis d'avis de les tuer. Hein. Voilà. Parce que ça va forcément s'ouvrir à un moment donné. Je suis pas plus con qu'un autre. Je suis au courant. Merde. Allez, viens là. Merde, mais décidément. Ah là là, je tire dans le barreau. Voilà. Pas ouvrir. Ah, elles vont toutes s'ouvrir d'un coup, hein. C'est gros comme une maison. Lui c'est pareil. Voilà, c'est bien, bouge pas. Ah, il a la tête solide lui. Bon, dès que ça sera ouvert, on ira récupérer un petit peu tout ce gel. Ok. Non, c'est une certitude qu'ils allaient venir tous me faire chier. Comme cela d'ailleurs. Hein. Hélas, j'ai que du fumigène et du... On va falloir compter que sur le flingue pour le moment. Ah non, j'ai récupéré des balles de... Il me faut une manivelle pour l'actionner. Ok, il faut une manivelle. Non, j'ai plus de pompe. Hein. Voilà. Pas trop mal. Je préfère les faire tout de suite. Ok.
c'est fermé. On joue un peu petit bras, hein. Mais bon. Je préfère faire ça que de me retrouver avec 1000 sur le dos. Bon, lui, on sait déjà aussi que ça va. Bon, ouais, j'ai plus de sniper du tout. J'ai plus rien. Alors j'imagine que c'est pas très intéressant à regarder là. Parce que c'est vraiment à la dégueu. Ah, il est passé à travers le truc. Au moins ça nous a permis de voir un glitch essentiel pour le speedrun. Putain mais j'ai plus hors de balles. Bon lui on va se le faire. Ah il a un masque. C'est pas vrai ça. Ça c'est pas vrai normalement. Y'en a un là hein. Ah non c'est un tuyau. Bon la manivelle elle est ici. On va prendre des carreaux harponneurs. Ça devrait faire l'affaire. Exactement ce qu'on voulait. J'ai pas besoin de lire, je pense que je sais comprendre une... On n'a pas upgradé hein, le... Allez, c'est pas mal fait. Au moins, on a économisé un tout petit peu. Regarde un petit coup d'œil, y'a personne. Faire un petit tour dans les cellules. Bon, y'a rien là. Bon, enfin, y'a rien. Y'a sa femme. Bon, on veut pas savoir ce qui se passait entre eux. Hein. Lui va se réveiller. Ah bah joli. Alors on peut les headshotter avec le... Ok. Lui on l'avait déjà tué, c'était très bien. Très bien vu de ma part. Il est où ? Elle est morte. Il avait un casque, hein. Ok. Il n'y avait pas un moyen là de avec une. Bon, on va s'en faire un comme ça. Elles étaient où toutes les cellules là où que j'ai ouvertes?
Il y a plein de cellules que j'ai ouvertes. Ah oui, elles sont derrière moi. Elles doivent être ici, voilà. On n'a plus qu'à ramasser le fruit de notre labeur. Voilà, très bien. Faut pas que j'oublie de remettre ma petite lampe torche, sinon vous, vous n'y voyez rien. C'est plus sombre chez vous, même si j'ai augmenté. Voilà. Une petite clé, c'est toujours bien sympathique. On commence à avoir pas mal en 3000. On va upgrader quelque chose prochainement. Le nombre de soins, ça serait bien. Enfin, tout serait bien, évidemment. Par contre, on est censé pouvoir esquiver ou quoi avec les boutrolles. Ça serait... On n'a pas encore... on n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Je suis pas perdu, hein. Je sais exactement où je me trouve. Je vérifie juste. Allez, c'est ici. Bon. Après, c'est toujours un délice hein, de regarder le speedrun, évidemment. Oui, on peut évidemment s'échapper sans avoir à se battre. Moi, c'est mon plaisir. D'ailleurs, je vais vous dire, je prends autant de plaisir à faire un jeu que de regarder après le speedrun. Je suis toujours très très étonné. Ok. Mec de Meubus qui est pas loin. Ouais, je suis pas venu là. Hein. Bien fait de jeter un petit coup d'œil, j'allais louper. Hein. En plus, il y avait deux pompes. Et en plus, un truc à lire. Page brûlée de soumis à la liberté. Résister dans la nature humaine. Qu'il s'agisse de résister au changement, à l'autorité ou au désir. Mais le prix à payer, mental comme émotionnel, pour cette résistance, dépasse souvent les bénéfices engrangés. L'univers, par sa construction, est trop bien organisé, trop parfait. Comment pourrions-nous croire qu'une telle perfection soit le fruit du chaos? J'émets l'hypothèse d'un plan. Pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous. Certains disent que toute chose a sa raison. Certains appellent ça le destin. Quoi qu'il en soit, malheur à ceux qui tentent de lui résister. Oui, on va avoir droit à l'éternel culte. Ah ça c'est pas mal, pochette améliorée pour l'arbalète, on peut en avoir 7, et toujours dans cette matière, je ne cesserai de le répéter, hein. Toujours dans cette matière textile de nylon qui, voilà je le redis, est une matière très agréable, très doucereuse, très, c'est parfait. On ne peut pas faire une pochette pour fléchette mieux que en nylon. À mon sens, hein. Après ça n'engage que moi. Hein. Après, souvent je reçois beaucoup de mails. J'ai reçu beaucoup de mails la dernière fois là parce que j'avais parlé du nylon. Il y en a qui préféraient la ouate. Bon, chacun ses préférences. Mais bon, pour moi c'est une aberration. Hein. C'est le nylon hein, qui est le mieux. Là ça a 10 mètres. Et là ça a 13. Celle qui a 10 mètres. Hein, ça me paraît la moindre des choses. D'aller aider notre prochain. Là. Vous devez descendre pour trouver ce que vous cherchez. Ce n'est qu'en sombrant que vous pourrez vous élever à nouveau. Oui, d'accord, mais moi je... Qu'est-ce qui se passe? Opérateur de Meubus décédé. Attends, avant de se barrer, on va aller voir un peu ce qu'il en est. Vous pouvez pas passer par là? Si. Non. C'est fermé. Non, tout va se passer en contrebas. Ah non. Il y a bien un opérateur. Et c'est lui? Ah voilà, j'ai compris. Pardon. Parce que j'ai quelques petites réminiscences de ma partie. Hein. Elle a eu des soucis, elle, vraisemblablement. Non, je
Ouais, toi aussi, Sébastien. Comment c'est long. C'est la lue, là. On n'est pas là pour vous juger, nous, hein, mais bon. Il y a forcément eu quelque chose. Vous avez forcément fait quelque chose de... Vous avez forcément merdouillé à un moment donné, madame. Hein. Je suis désolé. Hein. Elle est où? Ah bah vous êtes même plus là, ça se trouve vous êtes échappé, alors de quoi on se plaint? Bon, non. Là ça aurait été une bonne idée qu'il puisse débloquer la porte. Mais ben, crois-tu qu'il l'ait fait? Allez, on dira qu'on n'aura rien vu. Et puis du coup ça nous permet de voir qu'on peut aller là aussi. De reprendre une petite seringue, une petite picouse. Et on pète tout là. On pète tout et après on. Et après on. On loot. On a de la pièce détachée, on a de la cocaïne. Il y a tout ce qu'il faut là. Il y a tout ce qu'il nous faut. Et là. Eh ben le voilà. Le Mobus. Cartouche de fusil. Pardon, cartouche de fusil à pompe. Très bien. Et puis là. Voilà. Ah bah oui. Comme l'autre tout à l'heure. Hier. T'es tombé sur le mauvais cheval, mon coco. Oui, ça aurait été une bonne idée qu'on puisse débloquer la porte. Enfin, en même temps, on peut pas débloquer une porte de prisonnier. Je suis en train de dire des bêtises. Ça n'aurait pas fait sens. Donc lui, là, il s'est fait. Il a quoi? Oui. Bon, il a passé un sale moment. À la limite, le coup de couteau dans le dos, c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Si on regarde bien. Même si on regarde mal, c'était la meilleure chose. Bon, là, maintenant, on peut y aller. Bon. Allez, c'est parti. On va descendre ça un petit peu plus rapidement. Normalement, on peut. Bah oui, mais on peut, mais là, on peut pas. C'est toutes ces petites incohérences qui me... Ah bah voilà pourquoi on pouvait pas. Parce qu'il y avait un script. Et donc on le découvre... De ce fait, on comprend que... qu'il va se passer quelque chose, que normalement toutes les échelles, on peut les descendre. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Hein. Vous avez tout perdu. Vos échecs vous ont d'abord conduit à l'inaction, puis au désespoir. Et ensuite vient l'autodestruction. Alors c'est qui, c'est... Ça y est, vous avez causé votre propre merde. Ah bah voilà. Evil Within. Tu n'as pas cru ta femme. Tu as refusé de voir. Tout est ta faute. Tu es un raté. Ta fille est perdue. Tu pues du cul. Tu n'as pas pu la sauver. T'es vilain. Un jour t'as perdu un euro, je t'ai vu. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, ça va être un grand leader d'une secte, ça. Ça, par contre, c'était bien fait, hein. L'ouverture de la porte, là, regardez. Avec toutes les petites briques et tout. C'est pas mal. C'était pas mal. Et puis la projection, bah, que c'était des choses qu'on était tellement habitués dans Evil Within 1er. Décidément. Vous tant ne pouvez pas changer le passé. Non. Seulement l'accepter. Embrassez-le. Ne l'évitez pas. Lily! Qu'est-ce que tu fais, le cul dans l'eau?
Lily ? Lily, t'as le cul dans l'eau. Ah, salut. On va pas être copains, hein. On va pas être copains si tu commences comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Bon, là, j'ai fait n'importe quoi. On va pas être copains si tu commences comme ça. Pourquoi il veut pas ? Parce que j'en ai pas. Et où l'autre? Non mais... Putain. Bon, ça donne du challenge. Pourtant, c'est pas... ils sont pas compliqués, Romain. Oh lolo. Ils sont pas compliqués, tu les shoots au shotgun et puis là on en parle plus. Ah oh, mais j'ai plus de balles. Putain. Il reste là. Là c'est ridicule, hein. Là c'est ridicule. Allez, d'accord. Ah, il monte même pas ni rien. C'est vraiment des... c'est des golems. On mettra ça sur le compte que c'est des golems. Et qu'ils savaient pas ce qu'ils faisaient. Ça tombe bien pour le scénar. Hein. Ça fait rentrer un nouveau personnage. Lui, le méchant, là, on n'a pas entendu parler depuis le début du jeu. Bah, ça y est, il nous remercie pour Stefano. Oui. Alors qu'au début, il n'y avait que Stefano. On n'a jamais entendu parler de toi. Ça t'arrangeait bien. T'es le nouveau vilain, toi. Et t'es chef d'une secte, c'est sûr. Bon, on commence à avoir pas mal de liquide vert. Bon, on n'a plus de pompe. Je jette un petit coup d'œil vite fait. Parce que j'ai remarqué que quand je revisionne vite fait les VOD pour voir le son, il m'arrive des fois de me rendre compte que j'oublie des objets qui sont vraiment très très visibles. Mais comme je parle, et que encore une fois, l'écran est assez... La diagonale est quand même vraiment assez large. Il m'arrive des fois de choses évidentes, un peu comme ces... c'est la caillasse là, enfin la caillasse. Voilà, ça là. Et ben je les vois pas. Je les loupe. Alors je peste devant mon écran. Bon, on va aller se. On va aller s'upgrader. On va aller se faire une petite upgrade du cerveau. Qu'est-ce qu'on peut. Amélioration d'armes. J'ai combien? J'ai 145. Temps de chargement, cadence de tir, ça c'est pas mal hein. Pour le pompe. Mais on l'a déjà fait.
Capacité munitions, ça peut être pas mal. Voilà. Parce que j'aime pas pouvoir, enfin, ramasser des choses et on puisse pas les faire. Voilà, on s'en est fait 9. Ah bah là on peut en faire une. Ça c'est... bravo. On a peut-être dû faire des balles de précision. Hein. On va se faire un 30... un soin, pardon. Une trousse de premier secours, oui. Ça fait toujours plaisir. Et là, on va en faire un maximum. Voilà. Et puis bah, des trucs fumigènes, là, qu'on sert jamais. Voilà. Ok. Et puis le cerveau. En plus, je crois qu'on a ramassé une clé. Donc, et puis il nous reste une balle de pompe, je crois. Détendez-vous, inspecteur. Que puis-je faire pour vous? Oh, ça va, coquine. Oh, ça suffit, hein, maintenant. Tatania. On a compris un petit peu ton jeu, ton petit manège. Tu n'auras rien de moi, Tatania. C'est fini, hein. C'est fini, ce qui s'était passé, c'était... Ça n'aurait jamais dû arriver. Ah bah bravo, plein. Je suis ravi. Voilà, qu'on fasse pas erreur. Il n'y a aucun mal à être trop prudent, mais vous ne pouvez pas éviter la confrontation pour toujours. Vous devriez peut-être opter pour plus de compétences de combat. Ah, elle me... stabilise encore plus efficacement votre réticule lorsque vous tirez. Bah, je veux bien, mais j'ai pas assez, Tatania. Et là, quoi, c'est pour le combat. Les attaques au corps à corps, notamment au couteau et à la hache, infligent plus de dégâts. Bah, on les tue d'un coup. Hein. Gagner la capacité à étourdir les ennemis à distance ne fonctionne pas pour tous les ennemis. Bon, on va prendre ça. Et j'ai pas assez, putain. Et là, pareil. J'ai acheté un truc pour que dalle. Ah bah, bravo! Agilité. Probabilité super d'éviter automatiquement une attaque. Non. C'est 10 000. Ça fait un peu cher. 12 000, on va dire. La vitesse de récupération de santé augmente si vous recevez une mort imminente. 8 000. Récupérer davantage de santé avec des objets de guérison. Ah, oui. On l'a pas fait ça avant, bah putain. Et après, c'est 7000. Bon, ok. Très bien. T'as un truc à nous dire, là, Tatiana, pendant qu'on est là, là. Parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce qui se passe depuis la dernière fois? Cet endroit que je traverse, c'est l'enfer. Littéralement. Pas faux. Tellement de douleur et de mort. Oui, il vous faudra de la force pour l'endurer. De la force et de la volonté. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Vous venez à peine de commencer à tester vos limites. Pour sonder les profondeurs des raisons de votre présence. Pourquoi suis-je ici? Je suis là pour sauver Lily. Oui. Lily. Mais pour réussir, vous devrez surmonter d'autres défis. Oh, c'est un peu bateau ce que tu me dis. Ça pourra aller à n'importe quelle situation. Hein. Je suis pas dupe. Que je sois au chapitre 1 ou au chapitre 4, tu m'aurais dit la même chose. Je suis pas dupe, Tatana. Par contre, on a de la diapo, hein. Tout à l'heure, on n'a pas pu le faire parce que c'était scripté. Ah oui, décidément, ici, ça a bien changé. On a un hôtel. Mais bon, voilà. Le chat n'est plus là. Très bien. Je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas, ce chat. D'accord, on ne peut plus utiliser le diaporama, maintenant. Voilà, c'est le genre de truc qui est agaçant. Le jeu décide que maintenant, on ne peut plus utiliser le diaporama. Pourquoi ? Save. Pourquoi? Je crois que... Je veux pas vous spoiler, mais je crois qu'il y a 17 chapitres. On n'est pas rendu, les enfants. On n'est pas rendu. Ils ont voulu faire long, mais... Ils ont pas beaucoup de Nutella, alors ils ont bien étalé sur une longue tartine. Et on se retrouve avec un jeu, voilà.
Bon, j'espère quand même que vous passez un bon moment avec moi, parce que des fois je me dis, tu dis beaucoup de mal du jeu, ils vont tous partir. Ils vont tous partir, ils vont voir que t'es un être malfaisant. Si tu n'y prends pas plaisir, comment eux peuvent prendre plaisir? C'est ça que je me dis. Puis après, je me dis, ça va. Ça va. Ils vont faire le tri. Ils vont être plus malins que moi. Ils vont savoir prendre plaisir là où moi, je n'arrive pas à le prendre. Je me dis ça. Je philosophe. Je digresse. Hier soir, j'ai eu beaucoup de mal après la dernière vidéo. J'ai eu du mal à dormir. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Ah, une petite énigme. Ah, c'est moi ou... hein? Ah oui, hein. C'est bien ça, hein. Bravo. Pas sûr que je l'avais vu la première fois. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Utiliser. Faut qu'on reproduise quoi? L'espèce de symbole? On peut... Non. On revient comme on était. Là, ça m'a l'air bien. Celui-là. Ah, je sens le chien. C'est bon. Puis c'est du milieu. Qui va faire tout bouger, évidemment, pour tout bien nous faire chier. C'est celui-là qu'il faut retoucher un petit peu. Non, il y en a un qui est pas bien. Oui, il y a un truc qui va pas, c'est sûr. Non. Non, 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 pas celui-ci. Celui-ci, très bien. Bah quoi? Non, c'est l'autre. Je me souviens que ça m'avait fait chier. Hein. Voilà. Putain, non. On a eu du bol parce que je me souviens que ça m'avait gonflé, hein, ça. Estimez-vous très chanceux, là. Vous êtes... Bande de vénards. Vous êtes des vénards. On a eu du pot là. Vous êtes vénard. Il faut toujours. Il me dit toujours parfois j'aimerais bien de vous. Et c'est pas mal fait, hein. Il y a la clé qui est là, hein, comme quand on voit que c'est en temps réel. Non, non, là on a eu un bol fou sur cette énigme, elle était prise de tête. Le pentacle est mal fait, on sait pas trop. Là j'ai eu du. J'ai le nez creux là. Vénard. Vous êtes vénère. Des fois, ça m'énerve de savoir que vous êtes. Moi, j'aimerais bien. Voilà, j'aimerais bien être vous parce que moi, j'adorerais regarder le stream, quoi. Et pas le faire. J'adorerais avoir ce type-là qui joue, qui parle, qui dit des choses. Et puis qu'il se passe des choses. Et puis que c'est bien, quoi. Voilà. C'est ça, moi. J'aimerais bien être vous. Mais pas. Pas. J'ai pas pris la clé. Malheureux. Merci pour vos milliers de messages dans le chat. M'a spoilé, mais... La clé, la clé, la clé. Et voilà. Y'a pas autre chose un petit peu à bouiner, là? On arrivait de par là. J'ai toujours de mettre la lampe torche, hein, décidément.
Là, c'est là d'où on vient, hein, voilà. Non, ne perdons pas le temps qu'on a gagné. Allez. J'ai souvenance que il y a 4 ans, j'ai perdu un temps fou dans cette pièce à essayer de comprendre ce qu'il fallait que je fasse. Je suis bien content qu'on l'ait quitté. Hop. Mystère. J'espère que vous m'écoutez au casque la nuit. Au casque la nuit. Sebastian Castellanos, vous voilà enfin. Je vous attendais. Très bien. Et vous êtes qui? Mes fidèles m'appellent Père Théodore. J'espère que vous y viendrez aussi, mon ami. Arrière. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie arrière, arrière. Qui se prend pour Dieu. Arrière, Théodore. J'en ai déjà tué un comme vous aujourd'hui. Ne fais pas peur, Théodore. C'est comme ça que vous réglez tous les problèmes de votre vie. Par la force brute et l'intimidation. Et regardez où ça vous a mené. Mais jusqu'à toi, Théodore. Dans un enfer que vous avez créé. Baissez votre arme. C'est pas moi qui ai créé ça. Hein. Le stem, c'est pas moi. Utilisez votre tête au lieu de vos poings. C'est Mobus. Et ma Lily, c'est pas moi qui l'ai poussé dans l'endroit. Nous avons le même objectif, Sébastien. Nous pouvons nous entraider. Autant pour moi. Rejoignez-moi. Vous retrouverez votre fille. Et moi, eh bien, j'aurai le pouvoir du noyau. Je sais déjà qui a Lily. Oui. Et Mira ne la lâchera pas si facilement. Quoi? Où sont-elles? J'aimerais pouvoir vous le dire. Mais vous n'êtes pas prêts. Vous devez intégrer mes fidèles ouailles avant que je puisse vous en dévoiler davantage. Bordel, dites-moi où elle est! Acceptez mon offre. Je peux vous mener hors de vos propres ténèbres. Je peux vous mener à Lily. Désolé, je ne suis pas l'un de vos fidèles. Qu'il en soit ainsi. Ah, il l'a mal pris. Vous souffrez tellement. Vous êtes constamment hanté par les événements du passé. Je vous ai montré la voie. Vous devez comprendre que je suis là pour vous aider. Revenez me voir de votre plein gré. Alors nous pourrons adopter nos rôles naturels. Pas en tant qu'adversaires, mais en tant qu'alliés. Nous nous reverrons, Sébastien. À nouveau, une petite idée, un petit peu à la Evil Within. Bon, le coup du prêtre, ça, bon, on aurait pu s'abstenir. Lily, chiale pas, c'est moi, c'est papa. Je suis là. Papa? Lily? Papa, Lily? Attends! Eh ben, enfin réveillé? C'est pas trop tôt. C'est qui elle? J'aurais bien besoin d'un petit coup de main. Tu sais te servir d'un flingue, pas vrai? C'est quoi ça? On est où là? De qui? De quoi? Prends ce côté. Canardelez jusqu'à ce qu'il crève ou qu'on ait plus de munitions. Qu'est-ce qui se passe ici? On parlera plus tard. Contente-toi de rester en vie. Oh merde. Pas mauvaise toi non plus. Je préfère quand il rentre. Permettre de les shooter un petit peu plus sympathiquement. C'est pas ta première fois, on dirait. Compte plus à force. Vite, fais le plein de munitions. Il y en a d'autres qui arrivent. D'accord. Mais j'aurai besoin de réponses quand tout ça sera fini. Oh. Il arrive de par où? Bouffe ça, espèce de sale fils de pute. Surveille nos arrières, il y en a d'autres qui arrivent.
Une. Bordel, ils sont partout! Ne les laisse pas t'encercler! Ils sont où? Moi je veux bien, mais ils sont où? Merde, je crois que j'avais une hache. Ah, ça c'est cool. J'ai eu l'option. Merde. Allez. Et oh, mais je suis bloqué. J'y crois pas. Je suis bloqué dedans, elle. Je suis bloqué dans le cadavre. J'y crois pas. C'est ridicule. Ils peuvent même pas me toucher. C'est un bug de collision. Non, mais je suis vraiment bloqué. Hé, hey, c'était quoi ce bruit? Oh merde! C'est quoi ce bug? Ah, qu'est-ce que c'est que ces saloperies? Il peut pas me tuer? Ah, c'est rigolo, il peut rien me faire. Ah, si. Ah, ça y est. Allez, on va la soigner. Mais putain, j'étais sûr que j'y arriverais pas. Faites pas peur. Vous faites pas peur. Je joue pas super là, hein, putain. C'est bon. Merde, non. Putain, mais j'ai pas crevé face à ça. Il est impensable que je recommence. Hein. Il y a plus de balles. Tout parce que je sens que peut-être après, comment dire, il va y avoir une cinématique et je pourrais pas reprendre les choses. Je me suis tellement fait avoir dans le passé, comme ça. C'est un peu con, mais bon. C'est pas moi qui fais les jeux. Hein. Bon, ça va. Et là, du coup, tout est tombé à plat. Hein. C'est dommage. Le coup du bug d'être de la collision là. Encore des trucs à ramasser. Hein. Bon, bah, je pense que là, on a fait le tour. Ah, il y a encore un truc là. C'est quoi? On peut pas. Et on peut même pas le prendre, vous voyez? Elle est. Bon, allez, on la soigne. Excuse-moi, hein. Je sais pas quel est ton nom, mais c'est bon. Allez, viens là. C'est bon. Elle dit plus rien. C'est fini, hein. Je crois que c'était le dernier. Putain, il a mis du temps à comprendre. Je crois que c'était le dernier. Il y en avait deux, le dernier. Viens. Il faut qu'on bouge. Par là. Ouais. On va pousser ça, j'imagine. Ouais, je peux pas le faire tant que tu me le dises pas. Merci. Je t'en prie. Je m'en serais pas sortie toute seule. Je sais. Je m'appelle Esmeralda Torres. Monsieur Ducôte. Moi, c'est... Sébastien. Je sais. Elle me connaît. Ah bon? On dirait qu'on les a eus.
On ferait mieux de bouger avant qu'il en arrive d'autres. Comment j'ai atterri ici? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment de poser des questions. Ma planque est pas très loin. On discutera en route. Viens. Prends ce qu'il te faut. Je t'attends dehors. Je crois qu'il y avait une blague qui était assez... C'est pas bruit. Il pourrait y en avoir d'autres. Dis-moi au moins comment tu connais mon nom. Kidman m'a demandé de garder un œil sur toi. Kidman. Elle a dit qu'elle essaierait d'obtenir ton aide si le plan foirait. Et tu es là, donc... Attends. Je suis perdu, là. Quel plan? Sortir Lily de là et... éliminer Mobius une bonne fois pour toutes. Je fais un petit tour, hein, comme tous les cons qui... Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je pense que je suis pas le premier joueur à avoir fait le tour de la baraque pour voir s'il y avait pas quelques trucs. Je crois qu'il y a une petite blague après, là, avec... Enfin, je vais pas vous dire. Pour ceux qui me suivent. Mais... Il y a une petite blague après. Entre elle et moi. Je crois que ça, c'était assez amusant. Ou alors, ou alors je confonds qu'un film que j'ai vu. Non, non, ça va être ça, je crois. Hein. Merde. Laisse-moi deviner. C'est le chemin qui mène à ta planque. Il doit y avoir un autre chemin. Suis-moi. Ça marche. Attends, une seconde. Ah oui, mais j'ai plus le flingue. Ton plan. Kidman m'a jamais parlé de ça. Mais j'ai plus de fusil. J'imagine qu'elle a pas pu te donner les détails devant tout le monde. Oh là là, il y a des par bugs. Ici. Il est encore bugué, hein. Il est encore bugué, ce jeu. Bon, c'est pas très grave. C'est là que t'habites? Dans la petite bloc, là. Peut-être rigolo tous les jours. Ah, il y a encore un... Attends, il y a une petite plante. Parce que je me suis beaucoup t'es sur le rocher. Je me suis beaucoup battu pour toi, hein. Comment tu t'appelles, Thorez, c'est ça? Elle est partie par où? Elle a dit quelque chose, et puis... Elle est là. Oui, bah c'était bien ça. Il y a une petite blague, ici. Je vous l'offre, c'est cadeau. L'un de nous doit lever le tronc pendant que l'autre passe dessous. Bon prix. Jamais. Allez, passe. Bon, ça va aller? Je peux t'aider? Bouge si ton cul avant que je te lâche sur la tronche. Ok, c'est bon. Merci. Tu veux faire une petite pause, papy? Ça va. Je suis pas si vieux. Première fois, ça m'avait fait un petit peu... Alors pendant tout ce temps, qui peut parler, avait un plan pour faire tomber Mobius. En fait, c'était le plan de ta femme. Quoi? Mira? Alors c'est pour ça qu'elle est là. Elle fait partie de Mobius. C'est n'importe quoi. Ah bah oui. Va falloir se baisser. Va pas te faire un tour de rein. Lâche-moi un peu avec ça, Thorez. Ouais, donc ils vont s'envoyer des... Tu peux être fier de ta femme, tu sais. Elle est persuasive. C'est elle qui m'a recruté pour ce plan. Je comprends pas. Pourquoi elle les a rejoints? Elle a découvert qu'ils détenaient Lily. Elle savait que le seul moyen de les éliminer était depuis l'intérieur. Alors elle les a rejoints et a patienté jusqu'au bon moment. C'est donc là qu'elle était. Pendant toutes ces années. Bon sang. C'est dur à digérer. Je veux bien te croire. Mais restons concentrés. Donc là, ça va être, j'imagine, des insultes, enfin des blagues, papy, enfin on va rentrer dans un truc téléphoné. Faut qu'on passe de l'autre côté. Tu peux m'aider? Ouais, bien sûr. Prête. Ça, là, maintenant, c'est ça bon, fait... je te tiens. Maintenant, ça me fait penser à Resident Evil 5. Je me serais beaucoup plein dans cette VOD, hein. Ça dépend des jours. En fait, je suis de meilleure humeur la nuit. Tu vas quand même pas me laisser là. Bah, quoi? Il est minuit. Tu croyais que j'allais t'abandonner comme ça? Eh, pas vu l'heure. En fait. Moi, je suis jamais de bonne humeur, en fait, voilà. Je pensais qu'il faisait jour, moi. Il est minuit. Tu fais partie du plan, maintenant. Tant pour moi. Il est vraiment minuit, en plus. Ah là là, Romain. Le plan. Ok. Qui d'autre faisait partie de votre petite mutinerie? On n'était que quatre. Moi, Kidman, Mira et Théodore.
Théodore. Le père Théodore. Le père Théodore. Moi, je l'appelle Théodore Wallace. Tu le connais? Je l'ai rencontré. Mais il a pas envie de sauver Lily. Il la veut pour lui tout seul. Non, pour il a sauver même essayé Lily. De me convaincre de traquer Mira. C'est lui qui a tout fait foirer. Et... qu'est-ce qui était censé se passer? Une fois Lily récupérée par Mira et Théodore, lui et moi devions la faire sortir pendant que Mira s'occupait de Mobius. Et Kidman devait s'assurer qu'on puisse sortir du STEM depuis l'extérieur. Merde, c'était censé être facile. Rien n'est jamais facile. Oh là là, les dialogues, au secours! Rien n'est jamais facile. Ouais, bravo. Jamais quelqu'un dit... jamais quelqu'un répond ça, quoi. Tu discutais avec quelqu'un... Alors, rien n'est jamais facile. Ah là là, les mecs ont écrit ça, mais c'est quoi? C'est pas des auteurs? J'espère qu'ils ont fait ça bénévolement, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain! Merde. On a des ennuis, regarde. C'est Evil Within 2, ça? Ou c'est un sous The Last of Us merdique? Vite, suis-moi. Vraiment, mais du pauvre, quoi. Là, le coup avec le père Théodore, fou. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ce jeu-là, mais mille fois. Je vais passer en avant. Couvre-moi. Faut qu'on aille à l'antenne. Je sens qu'il me rappelle, il m'avait fait chier, lui. Il est bien fait, par contre. Ah oui, ça me rappelle plein de passages où j'ai... Désolé pour ta planque. J'aurais pas mis ma planque en évidence comme ça. Elle est cachée. Mais faut qu'on passe ces trucs pour l'atteindre. Tu vois la bannière rouge derrière cet immeuble? Ouais. La trappe qui mène à ma planque est dessous. Ok. Je passe devant. Suis-moi et reste à couvert. Ok, mais écoute-moi. J'ai déjà vu ces choses-là. Attends. Je prends le snipe. Je prends le silence. Bah avant. T'approches pas d'elles quand elles sont en feu. En fait, on n'a pas besoin de changer. Non. Ok. Comment il a pu me voir? Quoi? Et donc tu vas laisser Torres? J'ai l'impression de jouer mal. Je joue mal là. Je suis à deux doigts pour mettre la vidéo en ligne. Tellement j'ai honte. Oh, genre il peut pas passer là. Attends, il y a quelque chose dans la voiture. Mais le mec là qui a le lance-flamme, je me souviens. Bon bah vous doutez bien qu'on va l'affronter, donc je vous spoil pas. Mais je me souviens de l'affrontement qui m'avait énervé. Mais alors quelque chose de bien sympa, hein, vraiment, et ça me revient en force, là. N'essaiera pas de recommettre les mêmes erreurs. Bon, ok. Là, tu vas me dire qu'il passe pas? Ah, il passe pas, putain. Bon. Là, j'ai vu qu'il y avait une herbe. Oh là. Et oh, tu vas te calmer. Ah
Et où le truc rouge? Il est là. En fait, on peut faire ce qu'on veut, on peut se balader. C'est un jeu où on se balade. Eh, eh, il va me tuer là. Mais il a pris son... Bouffe ça, espèce de sale fils de pute. Ah, j'ai pas bien joué, hein. Putain. Ah, puis eux, ils donnent pas de... Ah, ils donnent juste de la cocaïne. Ouais, on pouvait ouvrir le truc que si elle était là, quoi. Bon, allez. J'ai vu qu'il y avait une plante. Bah, j'arrête parce qu'on va arriver à sa planque et je suis sûr qu'il y a du café. Elle vient nous préparer un petit kawa. Ah bah, parfait. Pochette améliorée. Bon, en même temps, d'avoir 14 munitions pour le fusil... pas sûr que ce soit tout de suite, hein. Mais là, le fou dingue là qu'on a vu avec son... Oui, oui. Oh putain, il y en a encore un. J'ai vu qu'il y avait une plante. Je veux juste prendre la plante. Je suis pas fou, j'ai vu qu'il y avait une plante. Bon, allez, hop, on laisse tomber. Attends. Là, il y a un truc à prendre. Il m'a fait de revenir. Eh, je suis dans les herbes, là. Tu peux pas me voir. Je suis pas sûr que ça soit passionnant à regarder, là, cette séquence. Hey, Torres, si tu pouvais me donner un petit coup de main, ça serait coolos. Quoi, il m'a touché? Putain. Genre il voit... Ouais, ça me gonfle. Ouais, j'ai perdu toutes mes balles pour que dalle. Allez, on se casse, ça va me filer un café. On va arrêter les frais là. Là c'était vraiment pas terrible. Là niveau speedrun je pense qu'on est pas... On est un petit peu en dessous de la moyenne. Ah puis là je traînasse hein, forcément. Hein. Bon. L'essentiel, c'est le résultat. Oui. J'avoue que je m'attendais à un peu plus de discrétion. Oui, bon, bah, on a fait ce qu'on a pu, Torres. Hein. S'il te plaît. S'il te plaît. Offre-moi un petit café, s'il te plaît. Tu vois bien que. Tu vois bien que j'ai des cernes et que. J'ai besoin de d'un petit break. On n'est jamais mieux que chez soi. Mais une planque, c'est pas mal non plus. Bon. Prends pas peur à cause de la quantité d'explosifs. Ils sont inoffensifs. Du moins, jusqu'à ce que je les arme. Et voilà, et là, ça ressemble exactement comme on était tout à l'heure dans les couloirs de la moelle. Enfin, voilà, quoi. Moi, je me souviens, c'est à ce moment-là que le jeu a commencé à m'énerver. Là, vous le sentez aussi, hein. C'est plus alors, un bon jeu, quoi. Fait pour Théodore? J'en sais rien. Il est complètement fou.
Son repère semble tout droit sorti de l'Inquisition. Je devrais être soulagé que Lily soit avec Mira plutôt qu'avec lui, mais... Quoi ? Lily est avec Mira ? Ouais, mais je suis pas sûr qu'il faille s'en réjouir. Elle est... différente. Cet endroit semble l'avoir affectée. Elle se cache pour protéger Lily de Théodore. Et Hercule devant rien pour les trouver. Si j'arrive à l'arrêter, peut-être que Mira retrouvera ses esprits et qu'on pourra sortir Lily de là. Alors, tu veux tuer Théodore ? Ouais. Mais il va d'abord falloir le trouver. Comment tu comptes t'y prendre ? O'Neill devrait pouvoir m'aider. Je vais l'appeler. Mais il faut d'abord que je prévienne Kidman. D'accord. Ça fait beaucoup de choses à faire. Hein. Dit par communicateur. Elle est sûrement dans la salle de contrôle avec ce serpent qui lui tourne autour. Allez, un petit coup de bigophone à Kidman. Sébastien, où étiez-vous ? Vous avez trouvé Stefano ? Mieux que ça. Je l'ai éliminé. Bien. Et Lily ? Elle m'a échappé à nouveau. Je suis désolée. Vous avez une piste ? La bonne nouvelle, c'est que j'ai rencontré l'agent Torres. Ses informations m'ont été précieuses. C'est une bonne nouvelle, en effet. Quelle est la mauvaise ? La mauvaise, c'est que quelqu'un de plus puissant que Stefano veut prendre le contrôle de cet endroit. Et pour ça, il a besoin de Lily. Torres m'a dit que vous le connaissiez. C'est un sacré beau parleur. Bon sang, je crois que je vois de qui vous parlez. Je vous envoie quelques trucs utiles dans votre salle. Tenez-moi au courant. Vous savez que je suis là pour vous. Je sais. J'ai confiance en vous. T'as confiance en moi ? Il est temps de passer aux choses sérieuses. T'as confiance en elle, pardon ? O'Neill ! C'est Sébastien. Répondez. C'est pas normal. Faut que j'aille voir. Je vais essayer de le trouver. Toi, tu restes ici et tu prépares tes armes et tes explosifs. J'aurai besoin de ton aide quand j'aurai localisé Théodore. Je peux accéder à la moelle d'ici ? Ouais, il y a un ordinateur de Mobius dans cette pièce. Il t'amènera à la sortie 72. Super. Je t'appelle quand je suis prêt. Bonne chance, Torres. Ok. Bonne chance à toi aussi. Ok. Et voilà, nous arrivons au chapitre 11. La reconnexion, quoi ? Reconnexion, tout simplement. Traverser la moelle pour retourner voir O'Neill. Bon, O'Neill, à mon avis, il lui arrivait des bricoles. Donc voilà, oui, bon, j'ai un peu pesté. Bon, c'est voilà, c'est que je suis en train de... Voilà, encore une fois, je suis en train de me remémorer pourquoi, qu'est-ce qui m'a amené à arrêter le jeu. Eh bien, c'est que le jeu devient un nanar. Et un nanar, à la limite, pourquoi pas. Quand le gameplay est sympa et tout. Mais là, vous voyez bien, les monstres, ça bug. Ils se ressemblent tous. Là, il est en feu, il te fonce dessus avec l'épaule en avant, mais il est au ralenti. Ça fait pas peur. Ça devient un jeu... une espèce de Call of Duty du pauvre. Toutes les pièces se ressemblent, c'est du béton. Bon, l'histoire, là, maintenant, c'est avec Théodore. Avant, c'était avec un serial killer. Enfin, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment dans les clichés les plus bas, même de téléfilms. Bon, là, on est dans un téléfilm, quoi. Bon, je vous lis quand même le journal de Torres. L'écriture de ce journal est propre et semble appartenir à une femme. Dis donc, c'est pas sexiste ça ? Moi je vais après, je vais sur Twitter, balance ton port. Voici ce qui a été écrit en dernier. Je ne sais pas depuis combien de temps j'attends le retour de Mira et Théodore. Le temps est un concept particulier dans le STEM. Encore plus depuis que Lily s'est enfuie. Tout ce que je sais, c'est qu'il devrait être déjà rentré. Si je meurs ici, je veux juste que la personne qui trouvera ce journal sache que je suis venu de mon plein gré. J'ai fait quelque chose il y a longtemps, quelque chose que je regrette. Et c'est pour ça que je suis là. Maintenant, à essayer de faire sortir Lily d'ici. C'est de ma dernière chance de rédemption. Bon, on baisse le truc là, voilà. C'est ma dernière chance de rédemption, et peut-être ma chance de recommencer à zéro. Dans tous les cas, je m'en tiens à ce plan. J'enverrai le bout, quoi qu'il arrive. Et donc, on va apprendre un petit peu de son histoire, mais on imagine que son histoire, ça va être inintéressant au possible. Mais il est évident que quelque chose a mal tourné, oui. Oui, ça c'est, je te le confirme, hein, ça, hein. il s'est passé quelque chose, là, c'est sûr. Si c'est le cas, ah ben parce qu'elle est même pas sûre. Attends, non, il est évident que quelque chose a mal tourné. Il est évident, donc c'est une évidence, mais juste après, si c'est le cas. Alors c'est une évidence ou c'est si c'est le cas. Si c'est le cas, je ferais bien de chercher de l'aide.
comme me l'a dit Kidman. Mais cet endroit s'effondre tout autour de moi. J'espère que je le trouverai si jamais on l'envoie à l'intérieur. Eh bien, décidément, ça fait beaucoup d'Israéliens. On a Kidman, on a Hoffman. C'est un jeu spano-israélien, quoi. Avec Stefano, Sébastien, Kidman, Hoffman. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, chapitre 11. On va s'arrêter là. Je vais faire une sauvegarde. On va s'arrêter là. C'était une partie... On va l'appeler la partie 7, hein, parce que la première fois, ça a planté. Très mitigé. J'espère que ça va reprendre... j'espère que les bonnes idées vont revenir. Hein. Ce qui me laisse espérer, même si je sais que là, il y a un combat contre un mec avec un lance-flamme qui est horrible, qui est vraiment chiant comme la pluie. Ce qui me laisse espérer, c'est qu'il y a beaucoup de chapitres. Donc peut-être le dernier tiers du jeu est très bon. Espérons. Les notes sont meilleures que sur Evil Within 2 que sur le premier. Donc à un moment donné, il va falloir me montrer pourquoi. Enfin, personnellement, j'ai besoin de savoir. Voilà, je vous embrasse tous et à très bientôt. Hein. Et puis prenez soin de vous, en ce moment, c'est compliqué.